Et bilan Nesmith, son bilan qui est catastrophique. Nesmith symbolisé en dans le ministère la corruption, gabegie administrative des autres, persécution, menace, toutes sortes de qualifications que nous connaissons qui mauvais jour. Et Nesmith, c'est ça que nous qualifions Nesmith Maniga. Et Jean Camarade a dit Nesmith a rentré dans la logique là pour faire des marches, pour être capable de répondre comme ministre. Et nous connaissons depuis au départ, depuis là que nous connaissons Ariel qui est de pouvoir, Nesmith a gagné 2 mois et demi depuis le pays. Nesmith a passé en bas fil fait, l'entrée dans le pays parce qu'il attendait l'économique ministre et pour lui venir à 6 reposés. Et nous-mêmes personnellement, dans le syndicat emploi et ministère, nous disons que Nesmith a caractérisé la corruption des autres gabegies administratives. Et nous disons, ministre Kony, que nous-mêmes personnellement, nous avons supporté, nous avons une majorité syndicale qui a supporté Kony comme BM. Et nous disons, ministre Kony, comme nous venons à un discours, c'est le gouvernement qui a formé avec la jeunesse, la femme, la diaspora, avec des gens qui sont compétents, qui sont sérieux, qui n'ont pas de corruption, qui n'ont pas de doute sur eux. C'est dans le moment ça nous-mêmes nous profitons de l'occasion. Je dis pour nous voir un message ça par le ministre Kony à tout le monde CPO pour nous dire depuis son côté, Nesmith Maniga paraît tête li. Pour venir réclamer pour le dire pour le ministre, même que c'est international, saleté à Kade Nesmith Maniga et nous-mêmes syndicats dans le ministère, nous avons campé en face. Comme nous formellement, nous avons suivi le dossier de près. Nous avons suivi de près et nous-mêmes personnellement, nous n'avons pas applaudi dans la question pour plusieurs raisons parce qu'il y a des gens qui étaient au départ qui ont cité dans la première édition et nous ne savons pas qui ça a dit que nous là. Et il faut que nous suivions des dossiers bien. Après ça, si pour nous applaudir, mettre calé parce que nous-mêmes, nous, dans le syndicat, nous avons de l'autre côté, nous avons des peines et tout. Parce que là, on y a là nous-mêmes d'un côté collé avec lui. Ces questions sont questions qui vraiment est sérieux. Et nous-mêmes, moi personnellement, il y a des gens qui disent que je mets Caleb. Je pense que c'est dans la radio, même dans la télévision, que je mets Caleb. Je ne vais pas parler de mon comme je dis que je connais le Dachita avec lui. Même moi, qui la poudre ensemble des dossiers, nous-mêmes personnellement, avant nous-mêmes nous approfondir sur la question, ou bien pour nous d'apporter collé avec la question, il faut que nous-mêmes fassions des données par nous. Parce que dans le ministère, tout ce qu'on nous parle, nous sommes les réels, le ministère n'est pas les fictifs. Tout ce que nous parlons, c'est qu'il y a des documents, nous avons des preuves à l'appui, nous avons des formalités que nous remplis pour nous donner. Et tant que nous sommes réels, est-ce que nous avons l'espoir dit tout pour FNEA? Et bon espoir quand même, parce que dès que l'autre équipe vient, et puis c'est venir à l'autre orientation. Parce que l'orientation, pour pouvoir passer là, pour voir là, pour pouvoir faire échec. Et puis sur. Directeur FNEA, nous ne pouvons pas parler trop pour nous connaître, mais nous connaissons que il y a des chefs de cabinet arrière, l'autre monde qui est impliqué directement là-dedans, il y a un député, il y a l'autre monde qui est impliqué. Si on a l'autre orientation, qui baille, nous pensons que FNEA c'est un corps qui a été non. L'homme dit qu'il a été non, d'abord que 4 débits n'ont pas demandé, et nous pensons que c'est comme il est à la poste, sur le ministère. Et Capdebi avec le professeur nous bah, canaliser le VFN parce que son corps direct lié au presse transfert. Comme ça, il y a l'autre bagage, il y a construit l'école vraie, il y a construit vraie l'école, il y a construit bagage parce que FNA c'est réformé ou bien c'est structuré même pour le moyen. Et nous, même personnel dans le syndicat, nous représentons la question FNA, il n'y a pas qu'on nous rapporte un jour pour dire que ça va passer dans FNA. Parce que le conseil d'admission par exemple réuni. Et nous, même pour exiger tout, pour le monde qui nous voué à un conseil d'admission FNE et ONAPEA pour ces gens qui nous screenent pour nous connaître, ce n'est pas des gens qui sont en l'air, c'est des gens qui ne peuvent pas faire par eux. C'est Haïti du jamais vu, une société de l'ONANGE, l'éducation nous-mêmes en bas des combats. Si mes mères vont continuer à remercier toute presse en général pour support, nous toujours bail syndicat. Qui est le syndicat personnel, ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle. Nous dit, pi bonnet, c'est grand matin. Proverbe grand monde. J'ai fond, crier bonnet. Conférence, nous avons dit à Chita sur plusieurs points. Premier point, Chita sur situation malouque que le pays a vivre journée jodia. J'ai mon a vivre dans le pays, ça, c'est triste. Pays en bas, tout cyclone. Cyclone de sécurité, même, c'est plus gros fléau qui tombe sur Haïti.
ça c'est un complot qui paraît être un complot qui vient là-dedans. On bat les colons nationaux, les colons nationaux et internationaux, les antinationaux, les antipatriotes, les mercenaires nationaux, les mercenaires internationaux, les assoiffés de pouvoir, les sans foi ni loi. C'est un groupe monde sans conscience, sans pitié, sans état d'âme. Dans un clin d'œil, ils détruisent le pays. Prend pouvoir, crase le pays. Ils finissent avec le peuple là. Le peuple ici est tout le monde fou et sans destin. Deuxième point, c'est une association syndicale internationale qui est l'éco-groupe. Un groupe mal fini qui fait d'appuyer sur le pays. Ils ont réduit le pays à zéro. Ou les trois haïtiens dans la boue. Dans le fatra pour intérêt pays. S'actrice dans la question. Ils ont passé par un groupe sensi local. Une série de conseils. Une bonne traite sans caractère, sans éthique, sans personnalité. Ils ont accaparé l'État. Ils ont sous ce pays et après ils ont vendu les étrangers. C'est triste. Troisième point, c'est sous avec l'éducation. Ça, ce n'est pas nous-mêmes qu'on y a nous dans le champagne. Ça veut dire nous-mêmes dans le syndicat. Ça fait longtemps que c'est un petit groupe à l'oufa, sans conscience, sans éthique toujours. Ils ont un bon agent double. Ils ont hypothéqué l'éducation haïtienne. C'est triste, oui. Comploté avec une série de pirates internationaux. Jusqu'à ce que je dis, en 2024, le système d'éducation noir effondré totalement au lieu de faire progrès. Comploté, ça a fini avec l'éducation net en Haïti. Mais un exemple vivant, que la presse était déjà au courant, il est au courant de ça. On parle de FNI. Et ça fait nous-mêmes dans le syndicat, nous parler le Fonds national éducation encore. Depuis nous relé le Fonds national d'enrichissement. Nous t'ai déjà dit ça dans une conférence que nous t'ai bail depuis le 23 janvier 2023. Ça veut dire syndicat t'ai déjà créé en moi pour champ corruption ça qui blaye le ministère et bien dans les FNI. Mais sans CEO pas t'occuper nous. Yo te plutôt dit pas occupé syndicat ça qui a parlé en pile. Eh bien, la presse, mes vérités sous en bois, nous au courant. Comploté saboter toute l'argent ministère dans l'intérêt de tes amis, tes familles. Syndicat fait toute ville à demander un petit cas de débit avec un bon petit avantage pour un bon petit malheureux dans le ministère qui a souffert. Tu ne peux pas répondre. Rien. Comme réponse, yo te dit. Pas occuper nous, c'est quoi nous n'avons merdé. Et bien effectivement, yo fin di parole là, yo passé dans action. Yo te commencé persécuter nous sous cadet. Yo persécuter nous tout bon. Sous cadet, yo transféré président syndical la Tibonite. Yo te aldouil. Tant kou yo ba nous gaz lacrymogène, les n'a dénoncé corruption nazon dans conférence de presse nous. Et la tri. Et bien, nous avons fini, nous avons dit pour nous dire, Conseil président et Premier ministre Kony, s'il vous plaît, de grâce, choisis un ministre et un bon jeune directeur honnête qui ne peut pas venir craser le ministère de l'éducation pour finir net parce que l'IAM a des comptes. Mais au pas jamais connaître nous avons retiré des comptes, nous lever. Mais là, si nous avons une équipe qui est là déjà, nous ne pouvons pas retirer des comptes. À partir de faire éducation, pays a tombé dans fatra, éducation nous dans fatra. Nous demandons pour la justice faire travail. Deuxièmement, nous demandons conseil président pas pédé jouir de pouvoir à premier ministre Kony dégager commettre Jean-Jacques pour retirer pays a dans la boue qu'il y a aujourd'hui. Troisièmement, nous même dans syndicat nous demandons tout pour combler toute poste vide dans l'état. Parce que vous quittez le pays, employés quittent le pays, vous allez, vous courez, blanc fait, vous courez, pour que vous venez le pays dans nous, pour mettre nous dehors. Si tout dans place employé qui a le nom de nous, et en deux ministères de l'éducation nationale, chargé les gens qui a le nom de nous, il y a un service qui va nous encore. Nous demandons pour remplacer rapide. Quatrièmement, le syndicat a demandé pour l'équipe gouvernement ça, pour créer un bon jeune job pour les gens dans le pays, pressé, pressé. Tout pays a ses chômages, ses misères, gangou, peuple a aux abois.
c'est pour la première fois que le pays a descendu dans l'état ça. Sécurité, grand goût, la misère, souffrance, kidnapping, pas une bouche pour me parler. Salut les gens en ligne qui là. Il y a un gros coup de chapeau spécial avec Creole Promo. Yeah. Et puis l'autre média qui là. Et good job pour nous, c'est grâce à nous qui fait jeudi à l'âme qui a parlé en tant que jeune garçon. Je connais son nom, Blanc Moto tout pays. Il y a un militant qui est engagé, et puis il y a un porte-parole, force militaire radicale Charles Mas, et puis et président MDNH, qui s'est mouvement déclaré pour une nouvelle Haïti. Et me félicite PM et Gary Kony, et nous redis bienvenue et bon travail. Pourquoi ça, son point positif qu'il fait dans le travail liant, par rapport à qu'il choisit dans le territoire perdu. C'est que c'est pas un monde qui chita des bureaux qui a parlé, qui commence à prouver la faire action. Nous avons souhaité que c'est pas un showbiz divin fait. Nous avons souhaité que ça la faire la cœur. Parce que nous connaissons le réseau de problèmes gangou déjà. Il n'y a pas un problème gangou, son équipe habite voyager, son équipe DPM déjà. Nous pensons que c'est une crasse moralité parce qu'il a démissionné sous gouvernement, premier matériel, il a pris le pays. Et nous remercions pour ça. Et puis nous disons, nous-mêmes en tant que militants Charles Mas, nous avons capé d'elle. Si et seulement si, il prend responsabilité envers les gens qui sont mal, et il rétablit la sécurité dans le pays. Parce que pour moi, en tant que jeune garçon qui n'a pas choisi pour Al Biden, qui choisit rester là pour la bataille, c'est qu'il veut la sécurité dans le pays. Et puis il veut la paix. Pour la paix, comment ça pour le fait? Il n'y a pas qu'à faire avec une force robuste. PM, je dis ça. Grand plus jeune garçon qui est confortable, qui étudie, fait grand étude. Dans le bureau de l'État, je vais révoquer tout ce grand monde. Ça qui compète, ça qui compète, tu gagnes mon qui compète, ou à mettre avec des jeunes garçons, puis on vient contre au bas aux pensions pour intégrer jeunes dans la boîte. Ça est deuxième bagage, Mamdou. Troisième bagage pour payer à jeunes nappés, dans la section communale, magistrat, ou à regarder qui magistrat gagne bilan, à ça pas gagne bilan. Ça gagne bilan, ou à qui ou accompagner, ça pas gagne bilan, pas travail pour société à remplacer. Moi, en tant que jeune, moi, je suis un pays, je ne veux pas que les gens mourent. Donc, qui ça, vous même pensé sur les gens qui ont demandé révocation et DG de la police, c'est Franz LB? Bon, Franz LB, son nègre, il a toute bonne volonté du monde. Mais depuis la politique, la brèche, police nationale, elle a entré dans la politique, elle a crasé. Parce que Franz LB, son nègre, il a une volonté pour faire tout ça capable pour. Pour remembrer la police, mais il ne faut pas oublier des filles, ils ont accru. Depuis sous Léon Charles, nous avons comme ça la difficile. Parce que moi, des fois, nous avons toujours indexé un chef de la police, soit disant qu'il n'est pas bon. Mais il ne faut pas oublier la police, c'est un enchaînement lié. Si tout le monde est de côté, il n'y a pas de bon conseil, il n'y a pas de travail, le chef n'est pas capable. Ou quand mettons l'autre chef, il n'y a pas de résultat. C'est ça que je souhaite. Si nous avons tiré Léon Charles, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. Si nous avons tiré, nous avons mettons l'autre monde qui est plus capable. Léon Charles ou Franz LB? On parle de Franz LB, excusez, Franz LB. Je ne vais pas retirer Franz LB, je ne vais pas retirer. Mais si toutefois, il y a quelqu'un qui a fait ça, qui a fait bien, qui a fait vêtir dans la police, qui a recampé la police, qui a tiré mauvais grain, pour recampé la police, je vais trouver son bon bagage. Parce que Franz LB, il y a une équipe qui a fait. Si Franz LB n'a pas de résultat, c'est l'équipe qui n'a pas de résultat. Je souhaite, si nous avons changé, nous changer toute l'équipe, nous mettons des gens qui sont compétents, qui sont honnêtes, qui sont humbles, qui sont têtes. Qui pour notre institution, ça, qui c'est institution la police, ça, qui sont institutions qui prestigieuses, qui veulent battre, qui veulent travailler, qui veulent bataille, mais pas de moyens, m'a souhaité Léon Charles. Bye, police sans moyens pour fonctionner. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout coin, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon. Créole Promo SPS, son choix li. Et m'en se Créole Promo SPS fait choix baldou. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. Vous sous plus grande plateforme. Plus grande plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour bon bagaille Jean Yoyia. Toujours abonné. Toujours partager. Toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole Promo, sans souffle. Ciao.